Les ministres de la Justice et des Finances des 17 États membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, se sont réunis de jeudi à vendredi dernier à Brazzaville dans le cadre de la 41e session du Conseil des ministres de la dite organisation. Au menu, tenter d'harmoniser l'application du droit OADA dans les États membres, les actes uniformes en cours et l'édification qui s'impose d'un nouvel immeuble siège de l'organisation. En ce qui concerne la révision de l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises pour en faire l'unique référentiel comptable dans l'espace OADA, ou encore l'adoption d'un texte relatif à la médiation commerciale ensemble avec la révision du droit OADA de l'arbitrage. Je voudrais à cet égard solliciter spécialement votre auguste attention sur la question de l'édification d'un immeuble siège pour notre commune organisation à Yaoundé, au Cameroun. Les travaux qui ont été dirigés par le président du Conseil des ministres, Pierre Mabiala, ministre de la Justice congolaise, ne sont alors que le bilan des travaux menés en prélude à cette rencontre du 13 au 15 juin dernier par des experts, universitaires et praticiens de droit des affaires venus des États membres de l'OADA. Réunis au moins une fois par an sous convocation du président du dit Conseil, l'OADA a été institué par un traité signé le 17 octobre 1993. Il regroupe aujourd'hui 17 États membres, dont le Cameroun, le Bénin, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad, le Burkina Faso, la République centrafricaine et le Togo. Par ailleurs, cette organisation aura noué dans le temps de nombreux partenariats tels que celui avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et bien d'autres.